Bonjour, je m'appelle Elias et j'ai 11 ans. Et du coup, je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, qui s'appelle Kaiju numéro 8. Donc, l'auteur c'est Naoya Matsumoto et c'est de l'édition Kaze. Donc, en fait, l'histoire c'est de quelqu'un qui s'appelle Kafka Ibino, qui à la base de nettoyer des Kaiju. Donc, des Kaiju c'est des espèces de démons qui apparaissent comme ça sans aucune raison. Et du coup, il y a des gens qui sont chargés de les tuer, et du coup, qui sont dans la lumière, justement. Et il y a des gens qui sont chargés de faire le ménage, donc ce qui est le cas de Kafka Ibino. Et un jour, il se dit, tiens, et si je faisais partie des gens, du coup, qui les tuaient? Donc, il va faire une formation. Donc, dans le 1, c'est un peu le résumé que j'ai dit. Dans le 2 et dans le 3, il est dans un camp d'entraînement. Et dans le 4, il va plus être sur le terrain. Et donc, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, comme je l'ai dit au début. Parce que je sais pas, ça, même s'il y a une petite ressemblance avec les autres mangas, c'est pas comme un Naruto ou un Boruto, quoi. C'est dans un autre univers. Qui est certes très ressemblant grâce au combat, mais qui donne quand même envie de lire. Donc, l'auteur c'est Naoya Matsumoto de l'édition Kaze, c'est pas Kaiju numéro 8.